Bonjour tout le monde, bonjour Thémo, bonjour Karim. Ben, j'ai le plaisir ce matin d'avoir à côté de moi donc deux cinéastes qui viennent du Nord et du Sud du continent. Voilà, c'est intéressant. C'est dire qu'effectivement, en particulier d'ailleurs cette année, on a dans notre programmation un spectre très large de films qui viennent d'endroits différents. C'est intéressant évidemment du point de vue des couleurs, des thématiques, de la géopolitique. Et puis deux cinéastes qui sont importants en général pour tout le travail qu'ils ont fait, les films qu'ils ont réalisés, l'importance de ces films et la notoriété que ils ont eu en tournant dans le monde, mais aussi ils sont importants pour nous parce que nous les aimons et parce que nous avons programmé leur film précédent, dont on parlera peut-être au cours de cette rencontre. Thébo Hitkins, tu es venu avec Days of Cannibalism, ce n'est pas ton premier film, loin de là, un long métrage documentaire. Qui est passé hier, à la suite duquel, évidemment, tu as eu un débat. Et Karim Moussaoui est venu cette année avec un court-métrage. Et pour être court, il n'en est pas moins important et intéressant. Tu as eu aussi des débats hier, au moins deux. Voilà. Et si vous le voulez bien, comme nous avons, que je remercie, des spectateurs aussi qui ont tenu à revenir ce matin pour discuter avec vous. Donc, on va, si vous le voulez bien, l'un et l'autre, pour ouvrir un peu le débat, le prolonger, partir de ces débats qui ont eu lieu. J'imagine que des choses ont eu lieu, des échanges autour du film, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'aller jusqu'au bout de la question. Et à l'un et à l'autre, je voulais vous demander ce que vous avez retenu de ces débats, ce que vous auriez aimé dire de plus ou de moins par rapport à ça. Thibault. Alors, merci encore pour être ici, et c'est un grand plaisir. En fait, j'ai aussi un court-métrage aussi. Oui, oh, Oui, c'est ça. ouais. Excuse-moi, oui, parce qu'il y Ouais. a aussi un court-métrage. Oui. Deux courts-métrages et Deux. le long métrage. Mmh. Je parle français, mais parfois quand je dois parler avant les gens, ça me manque les mots. Donc je vous préviens. Je viens de vous dire que c'est intéressant de montrer les films, surtout le documentaire, et souvent j'ai l'impression que les débats, les gens sont beaucoup intéressés au sujet et pas peut-être autant aux formes du film. Et parfois, comme cinéaste, moi je suis vraiment. Mon travail, c'est de travailler sur la forme du film. Le sujet est important pour moi, mais c'est plutôt la forme qui m'est vraiment intéressée. C'est là où c'est mon vrai travail comme réalisateur. Et quand je monte le film, et pendant les débats comme ça, parfois on n'a pas l'occasion de parler autant de forme du film. Et peut-être c'est quelque chose qu'on fait plutôt dans les cours ou avec les autres cinéastes. Peut-être c'est ça, peut-être c'est un peu trop spécifique. Mais peut-être c'est aussi si on montre les films qui sont tournés en Afrique, les gens viennent pour avoir les informations, plutôt les informations et Oui. les recettes de loin. C'est ça. Et pour moi, je ne suis vraiment pas un expert de ça, Oui. c'est pas mon domaine. Et peut-être c'est mieux si lire les journaux Oui. où ils trouvent leurs informations ailleurs, parce que moi je suis filmmaker, je ne suis pas Oui. journaliste. Précisons, parce qu'on va revenir sur cette question évidemment très importante et demander l'avis de Karim là-dessus. Précisons aussi pour les personnes qui ne le savent pas,
Alors, parce que tu as un parcours un peu particulier qui fait que peut-être tu fais partie d'une aussi catégorie de cinéastes qui ne sont pas que cinéastes au sens classique du terme, puisque tu es aussi artiste visuel, puisque tu fais beaucoup d'expérimentations avec des objets qui sont hétéroclites, différents, pas forcément destinés à la salle de cinéma. Que tu as fait des études, c'est important, je crois, à préciser, en Afrique du Sud, mais aussi en France En et France. aussi en Allemagne. Oui. En France, à Tourcoing, Oui, j'ai c'est fait ça, le Frénois, le Frénois, voilà, Studio qui est effectivement un centre dramatique, enfin, de formation aussi, un peu comme ça, polyvalent. Et aussi à Berlin. Ouais. Donc voilà, tu t'es formé dans trois endroits différents. En France, c'est spécial, en Allemagne, c'est différent, etc. Et que voilà, tu t'intéresses aussi à tu es dans une espèce de recherche, quoi, aussi formelle, pour t'exprimer sur des. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au documentaire, juste parce Oui, que je oui. trouve la documentaire est une forme qui est assez flexible C'est ça. par rapport avec la fiction, par exemple. Voilà, qui permet plus de Voilà. liberté dans la recherche Et formelle. Oui. ouais. D'accord. Et Karim? Non, mais je partage l'avis de Thébault là-dessus. C'est que en fait, quand on fait un film, on nous demande, enfin, c'est pas qu'on nous demande, mais on croit qu'on est forcément des experts du sujet qu'on traite. Mais en fait, on l'aborde de manière très, très, très subjective. Donc. C'est ça. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on n'est pas. En parlant des divas, par exemple, j'ai souvent des questions sur ces femmes-là, d'où C'est elles ça. viennent, Oui. c'est quoi les aînés, c'est quoi la communauté, Oui. machin. Mais et j'ai envie de dire que je suis pas un ethnologue ni un ethnographe, quoi. Je C'est ça. fonctionne avec des émotions. J'ai quelques informations, bien sûr. Et même si je pourrais avoir beaucoup plus d'informations, je n'ai pas envie de, par exemple, de prendre une place qui n'est pas la mienne. C'est ça. Voilà, donc je suis même pas sociologue. Donc, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on présente un documentaire, et on revient toujours à cette question-là de qu'est-ce que raconte le documentaire? Et on oublie, voilà, que ce n'est pas forcément la vérité. Voilà, ça peut être la vérité pour certains, mais c'est surtout un point de vue. Et ça, je pense que ouais, on le remarque souvent qu'on oublie justement cet aspect-là on est poussé par voilà, des envies d'image, de gens, de personnages qui nous intéressent, d'émotions. Exactement. On va. Oui, pardon. Juste quand j'ai vu ton film, c'était plutôt pour moi, la fin est très beau et tout, mais le processus, comment tu es arrivé, Oui. ce qui m'est vraiment intrigué en fait. C'est Ta ça. forme, la forme que tu as trouvée avec les espaces qui tu créais, les histoires qui truies, et avec, avec ton caméra toi-même qui a filmé, pas le caméra du chef op et tout ça. C'est ça qui m'est vraiment intrigué. Oui. Et, Oui. Alors, pour ce que chaque séance impose sa façon de faire, je m'en excuse. J'aimerais tout de suite, vraiment tout de suite, avoir quelques réactions des personnes qui sont présentes par rapport à cette question-là, puisque ça concerne le public. Donc, le public, une partie du public en tout cas, elle n'est peut-être pas représentative de tous les spectateurs, réagissent tout de suite pour qu'on puisse rentrer vraiment dans le film par rapport à ce qui nous concerne les uns et les autres, quoi. Allez. Oui, bonjour. En fait, là, on est un public francophone, donc Thébault, l'Afrique australe et anglophone, on la connaît très peu. C'est aussi pour ça qu'on est peut-être en demande d'information, qui est plus difficilement accessible pour nous. Et en fait, sur le Lesotho, la seule présence sud-africaine que j'ai vue dans ton film, c'est le billet de banque. Tu disais, moi, vous disiez hier, qu'en fait, ça pouvait se passer ailleurs qu'au Lesotho, parce que vous avez filmé dans le documentaire. De quoi vous l'avez vidé de son local, à part le. Enfin, il reste le billet de banque, mais il pourrait y avoir d'autres sujets qui auraient été abordés dans le documentaire et qui n'ont pas lieu d'être simplement pour avoir plus d'universalité en fait.
Le video bank. Pardon. Le billet, le rand. Ah. C'est-à-dire que les Chinois commercent encore en rand, qui est la monnaie du grand voisin. C'est le seul, on va dire, vestige que je vois de l'influence de l'Afrique du Sud dans ce documentaire. Ah ouais. Peut-être, ouais. Mm-hmm. Oui, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, madame ? Moi, c'est vraiment ce que j'attends justement d'un festival de cinéma. C'est qu'on discute d'un regard de cinéaste, d'écriture cinématographique sur des sujets. Mais c'est vraiment le regard d'un cinéaste ou d'un plasticien qui utilise la vidéo. À un moment donné, quelle écriture il a ? Quelle écriture singulière il a ? Qu'est-ce qu'il nous propose ? Qu'est-ce que ça suscite chez nous ? C'est dommage, je trouve, quand on reste sur le sujet. Et c'est une grande difficulté quand on organise des soirées débats où le sujet du film est passionnant, de ne pas passer dans le travers où on ne parle que du sujet et on ne parle pas du film. Donc moi, je trouve très intéressant que vous réinsistiez là-dessus et qu'on soit dans... Effectivement, on parle d'un sujet, mais un sujet abordé par un cinéaste à un moment donné... avec son regard, avec un choix d'écriture cinématographique. Très bien, merci. Peut-être c'est aussi c'est dans votre travail de programmation. Oui, c'est ça. Et de présentation des films. Et voilà, si vous mettez deux films ensemble, qu'est-ce qui se passe, comment ils se parlent, Oui. Mais c'est vrai, du point de vue aussi du festival en général et du programmateur que je suis en partie dans le festival, mais aussi surtout de présentateur et d'animateur de débat que je pratique depuis déjà de longues années, pas seulement en France d'ailleurs, cette question n'arrête pas de se poser. Mais sérieusement, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas juste une question, comme on dit, de forme et de fond. Ce n'est pas, c'est pas ça le sujet. L'information autour de l'Afrique, l'information, la vraie, elle manque tellement ailleurs que, précisément, lorsqu'on a un cinéaste qui évoque une question quelconque, importante, comme... celle, par exemple, qui tu abordes dans ton film, qui est considérable, la présence des Chinois en Afrique, qu'on voit beaucoup dans certains films, eh bien, les gens, naturellement, je trouve ça assez naturel, cherchent à l'occasion de cette projection, et en profitant au maximum de la présence de cette personne qui arrive de cet endroit-là, à avoir le maximum et... combler en fait un déficit qui n'est pas de la responsabilité des cinéastes, mais d'autres choses. Et là, c'est là où ça devient difficile. Et dès lors qu'on essaye de montrer comment que ce cinéaste, c'est un artiste, c'est un créateur de valeur qui réfléchit évidemment sur sa société, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'il faut savoir... et que la forme, là, par exemple, je vais te poser tout de suite la question pour rentrer dans le vif du sujet, notamment dans ce film-là, précisément, je parle du... parce qu'il y a les deux courts-métrages dont on parle aussi, dont on parlera aussi. Par exemple, le sujet est clair. Hein, le sujet, évidemment, c'est qu'est-ce qui change dans les relations... sociales, les relations de famille, les relations traditionnelles dans ces communautés qui vivent dans ce petit pays de Lesotho, 30 000 kilomètres carrés à peu près la superficie de la région sud, de FKPA ou de la Belgique. Qu'est-ce qui se passait dans ce pays en termes de relations humaines, sociales, etc. lorsque d'autres personnes qui viennent d'un autre pays, immense pays, gigantesque pays, chinois, et qui arrivent avec leur culture, leur économie, etc. C'est un sujet immense. Sauf que toi, dès que tu l'as abordé, comme ça, évidemment, puisque tu as abordé des gens qui sont concernés, mais en même temps, il y a une manière de montrer, notamment ce côté, on va dire tout de suite, western. Voilà. Cette forme-là,
qui n'a strictement a priori à voir avec et qui viendrait d'autre chose, pourrait sembler comme quelque chose, comme un jeu, peut-être vain, peut-être de cinéphile un peu, voilà, petit bourgeois gâté qui veut jouer avec des formes. Et moi, la question que je me pose, que je te pose, que je me suis posée, dans laquelle moi j'ai évidemment donné une réponse particulière, c'est dans quelle mesure ce besoin que tu as ressenti d'introduire, de mettre dans le film tous ces éléments-là liés ou puisés dans le genre, en tout cas, du western, peuvent-ils ou ont-ils pu nous aider à mieux comprendre ce phénomène-là dont tu parles, cette thématique-là dont tu parles? Alors, c'est une question très importante parce que si on travaille dans le genre documentaire, c'est vrai qu'on a une responsabilité vers le genre qui on travaille parce qu'on ne peut pas le faire jouer dans un film et toi tu as des intentions différentes et tu dis que. Donc, il y a toujours une. Il faut toujours garder le respect pour les gens avec qui tu filmes. Et donc, si on travaille avec une forme, par exemple, ou une construit un concept, pour moi, c'est important que le concept, ça sert pour aller vers les gens eux-mêmes. On ne peut pas... C'est tout est là pour arriver à une réalité du genre. Ce n'est pas le réalité ou ce n'est pas une réalité de... Mais c'est une réalité ou un portrait de vraiment de respectueux qui ont fait avec ces gens qui sont eux-mêmes. Et arriver à ça, on utilise une forme. Mm-hmm. Donc c'est ça la balance, mm-hmm. si on travaille avec une construction un peu mm-hmm. formelle. Mm-hmm. Et donc là, par exemple, le western, les cavaliers... Ouais. Donc, ça, exemple, cette idée du western, c'était plutôt que je suis en train de faire un film qui n'a ni histoire et ni protagonistes principaux. D'accord. Parce que c'était tourné pendant quelques années. et donc, j'ai choisi d'avoir part une protagoniste. Et il n'y a pas vraiment une histoire. Donc, j'ai besoin... quelque chose pour me guider un peu de faire ce film et pour guider un peu tous les petits chemins que j'ai comme ça je me perds pas quand je construis le film et la forme m'a aidé pour faire ça. D'accord. Excuse-moi, c'est difficile en français, on comprend. Ouais. Enfin, on comprend ce que tu dis, mais on reviendra là-dessus. Ouais. Pour Karim, parce que là c'est un peu différent, parce que dans ton court-métrage, comme tu le disais toi-même à propos du film, Les Divas de Tagabart, pardon, ça veut dire quoi déjà Tagabart? C'est le nom d'une forme. Enfin, il y a le El Lil et il y a le variant, enfin, qui est chanté assis par les femmes uniquement et avec uniquement. Il peut inviter deux hommes dans le groupe, mais c'est un chant de femmes, quoi. D'accord. Qui se fait entre elles. D'accord. Voilà, Tagarat. C'est pas un mot arabe, c'est un mot... Non, Zénette, le berbère. C'est un mot berbère, d'accord. Donc, dans ton film, ce qui frappe au niveau, justement, de la construction, on va dire, formelle du film, ce qui frappe et qui peut déconcerter, sur lequel j'aimerais t'interroger, c'est justement, on a l'impression que le film montre aussi ce qu'on ne montre pas dans les films, en général, c'est-à-dire le processus qui conduit un cinéaste à un produit. C'est-à-dire, on a l'impression de ne pas voir le produit lui-même, mais de voir aussi dans le film le processus lui-même qui va nous conduire à la réalisation du produit.
Je parle de la façon dont c'est filmé, les zooms, les essais qu'il fait, les tremblements de la caméra, les hésitations au début du film, dans un genre classique dont on se passerait. Si un producteur très, très, très dur, ou enfin, très radical, ou très classique, il aurait dit, bon, moi, je veux pas, j'ai pas besoin de ça. Tu vas tout de suite là-bas et tu essaies de... c'est sur ça que j'aimerais te... Ben, en fait, on m'a proposé de faire un film sur l'opéra, donc comme on l'avait dit hier, j'ai eu envie... Alors, c'est arrivé à un moment où j'avais envie vraiment de me libérer un petit peu des lourdeurs du plateau, d'un tournage avec beaucoup de techniciens. Et comme j'ai envie tout le temps de tourner, donc je sais que c'est pas possible avec une pareille équipe, avec des lourdeurs comme ça de matériel. Et donc, j'avais envie vraiment de presque faire sortir ça. C'est-à-dire qu'on est une équipe légère et raconter aussi le processus. Et donc voilà, il y a une forme de... On se met en scène, hein, parce que là, je filme aussi les techniciens, Hassan qui était avec moi, qui était à l'image, le film aussi. Et l'ingé son, l'ingénieur du son qui était avec nous aussi, donc je le filme. Il est aussi dans ce moment d'errance, filmé au ralenti. Et on raconte aussi, la fabrication d'un film. Elle passe par des moments de doute, des moments de vide aussi, surtout le documentaire, je pense. Mm-hmm. On vit beaucoup plus ça que la fiction, parce qu'avec la fiction, tout est balisé. Et on laisse très peu de place à la chance. Et c'est ça que je... Moi, j'ai pas réalisé beaucoup... Je crois que j'ai pas réalisé du tout de documentaire. Si, j'en ai réalisé un il y a longtemps, mais je l'ai perdu d'ailleurs, c'est tant mieux. Et donc, je réalise ce film de 15 minutes. Et j'étais heureux en le faisant parce que j'étais libre. J'attendais des choses. J'étais beaucoup plus attentif à ce qui pouvait arriver... à l'extérieur, avec les gens, que lorsque je tourne un film de fiction, qui est hyper encadré. On a une feuille de route, on a un plan de travail, on sait ce que vont dire les comédiens, parfois on rectifie, mais il y a... C'est moins vivant. C'est ça. C'est moins... Et je comprends pourquoi le documentaire raconte la vie. Mmh. C'est pas tellement parce qu'on montre le réel, mais c'est dans la manière de le faire c'est le réalisateur qui est en phase avec la vie, quoi. On vit avec. Voilà, on vit avec. Mmh. Et ça qui est beau, c'est pour ça qu'on revient sur l'idée qu'on fait aussi ces films parce qu'on vit ces moments-là. On est en quête de quelque chose qui, à nos yeux, à ce moment-là, est vrai, quoi. Représente quelque chose d'hyper fort et vrai. Mmh. Et c'est pas forcément une envie d'expliquer ou de faire de la pédagogie sur le sujet qu'on traite. C'est ça. C'est exactement ce que tu disais, Thébault, tout à l'heure. Vous, quand vous avez envie d'intervenir, vous levez la main, il n'y a pas de problème. Hein, vous pouvez le faire. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure, moi, je préfère le documentaire. Enfin, tu essaies d'expliquer le lien qu'il y a entre le choix que tu fais de documentaire et la liberté que tu voudrais avoir d'essayer d'efforts. Et tu disais, le documentaire permet plus que la fiction cela. Effectivement, vous dites la même chose, sauf que la différence, c'est ça qui est intéressant, entre les deux films, c'est que Karim, il met en scène l'équipe elle-même, c'est-à-dire du tournage. On voit Hassan Falhani qui est aussi à la... Il est s'occupe à l'image, et il est dans le film avec et il y a toute l'équipe avec la caméra, ils essayent, etc. Donc ceux qui font le film sont dans le film. Or dans ton film à toi, c'est le contraire. Mmh. C'est-à-dire
pour être un film aussi très libre, où il y a beaucoup de recherches et d'explorations formelles, eh ben toi, tu n'apparais pas. C'est-à-dire, tu as fait le choix, personnellement, je veux dire, en tant que... Mais aussi, oui. le film est très, très cadré, en fait. Oui. Même si c'est un documentaire, c'est très cadré. Oui. Les scènes sont assez bien pensées avant. Et on a travaillé plutôt comme une fiction. C'est ça. Même si c'est un documentaire, on a vraiment travaillé comme une fiction parce que c'est un film qui est basé sur les scènes. Et donc, chaque scène est beaucoup pensée, beaucoup organisée beaucoup avant. On a beaucoup parlé comment on filme, où on met la caméra. Et j'ai donné pas mal les instructions mises en scène à mes protagonistes aussi. Donc... Oui, donc du coup, c'est... Oui, pardon, vas-y. J'allais dire que oui, il y a toujours un peu de mise en scène ou de mise en espace. Oui. Ouais. Non, mais c'est paradoxal parce que tu dis, c'est comme on fait ce documentaire comme si c'était une fiction. Mais peut-être, peut-être les mots documentaire et fiction sont un problème en fait. Oui, c'est ça. On n'a plus besoin, ouais. Oui. Pourquoi? Ouais, parce que souvent. Alors, un de mes premiers films, il s'appelle Gangster Project. C'est un film avec les gangsters au Cap. Et c'est un film dans lequel moi, comme protagoniste, veux faire un film avec les vrais, un gangster film avec les vrais gangsters. Oui. Et pour faire ce film, j'ai dû devenir gangster moi-même, c'est un peu. Donc, j'ai rasé mes cheveux, j'ai pris les drogues avec les gangsters. Je dois être avec eux et pour faire un vrai film avec eux. Et donc ça, le processus était très intéressant parce que tout ce qui se passait derrière la caméra était plus intéressant que ce qui se passe avant la caméra. Donc on a refait le film en fiction et on a mélangé tout. Là, les mots documentaire et fiction sont plus intéressants, c'est juste un film. Oui. Peut-être éventuellement on pourra réenregistrer avec toi à un autre moment. D'accord, il n'y a pas de problème. Enfin, tu me laisses toute seule. je demande de se mettre là. T'es beau. Oui, oui, voilà. Ça facilite aussi pour vous. Sinon, mettre quelqu'un d'autre là avec un masque. Elle était beau, bien. Bon, de toute façon, c'est... Et donc, si je comprends bien, avec les Chinois, tu es plutôt, du point de vue de la mise en scène, à l'extérieur. Oui, donc c'est observational. Et tu es en observateur. Alors que avec les habitants locaux, les Basotho, tu es à l'intérieur. Voilà. Tu es aussi un peu acteur, quoi. Ouais. Ouais. Mais à la même temps, je dois être impartial. C'est ça, impartial. Impartial à la fin. Je ne peux pas dire que... Il faut que je fasse un film qui essaie de montrer la réalité de chacun. Oui. Et comment tu penses avoir trouvé cet équilibre d'être à la fois extérieur par rapport aux uns et intérieur par rapport aux autres, de façon à être, comme tu dis, impartial? C'est un enjeu énorme, ça. C'est un défi. Oui. Je crois que ça, c'est il y a une empathie professionnelle avec qui on travaille là. Et même si on peut parler... Empathie, tu veux dire? Empathie. Oui, oui. C'est ça qui est un peu le clé pour travailler dans une situation comme ça. Il faut vraiment se plonger dans le monde d'autres et avec du respect et vraiment écouter et regarder et être très très ouverte à les petites choses qui se passent et être très sensible à ça. Et comme ça, on peut balancer les deux. D'accord. Ouais. Très bien. Vous, n'hésitez pas, hein? D'accord. Alors, il y a aussi pour revenir toujours à cette histoire de... C'est intéressant ce que tu dis là. Je retiens deux choses. Tu dis d'abord que c'est un film qui est fait
en scène, c'est des scènes différentes. Il est structuré comme ça, pas comme quelque chose, comme un film linéaire, pas comme un film dramatiquement enchaîné linéairement. On le voit bien dans le film, au point de pouvoir penser qu'il n'est pas peut-être bien ficelé. Et la deuxième chose que tu dis, c'est que par rapport à ces deux communautés, le rapport que tu as avec l'une et l'autre communauté t'a imposé deux manières de les filmer. Pour les Chinois, une manière d'observateur, mais empathique. Et pour les habitants d'Île aux Autos, c'est un rapport beaucoup plus interactif. Interactif. Mais aussi empathique. Et empathique aussi, c'est ça. Donc, l'empathie, c'est ce qui crée, en fait, l'unité de l'ensemble du film. Voilà. Et qui répond à ma question de l'équilibre entre ces deux manières de faire, parce que ça pourrait créer une hétérogénéité, ça pourrait créer une espèce de cacophonie dans le film qui n'existe pas, parce que le film est cohérent. Mais oui, vas-y. Et l'empathie, c'est aussi une sensibilité du formel comme on filme. Alors, sensibilité de pas que moi, aussi du chef op. Une sensibilité formelle. Ouais. Comment de qu'est-ce qu'il filme, comment il filme les choses, et comment donc c'est juste une sensibilité à la vérité, à la situation dans laquelle on se trouve. Et parce que c'est un film, c'est comment le film et comment les enregistrent le son. Et donc Oui. Non, mais c'est clair ce que tu dis. Non, okay. Mais c'est très ça, c'est limpide. Hein. Ouais. Donc, cette empathie de sensibilité, c'est-à-dire comment percevoir... Avec les outils qu'on a, et ce sont les outils du cinéma. C'est donc, ça. Le son et l'image. L'image, oui. Ouais. Mais comment tu puisque c'est ta responsabilité, comment tu obtiens cette empathie de sensibilité de la part du directeur photo ou de l'ingénieur du son? Comment tu réunis les conditions de cette empathie de sensibilité que tu... Ça, c'est une bonne question. Alors, souvent, j'ai fait le son moi-même. Oui. Comme ça, je suis très près à l'image, même si je ne suis pas derrière la caméra, je fais le son. Oui. Et si on écoute les choses, on comprend... Donc, on est avec le regard du chef op, mais en écoutant le son, on a une autre sensibilité à l'image qu'il filme. Oui. Donc, ça facilite la conversation avec lui. Avec le directeur photo. Oui. Parce que toi, tu écoutes moi, écoute, le son. Lui, il regarde. Oui. Et parce que c'est là aussi le troisième film qu'on fait ensemble. C'est ça. Donc, on a confiance, this trust. C'est ça. Distrust, et aussi il y a un dialogue, une confiance, il y a un dialogue permanent entre nous. Oui. Donc on est toujours en dialogue. Oui. Donc le fait que toi tu écoutes ce que lui n'écoute pas, enfin ce qu'il voit, que toi tu écoutes ce qu'il voit, ça te permet de mieux tester, évaluer. D'être très proche à la chose, parce qu'aussi on a choisi un cadre large. Oui. Très large, cinémascope. Oui. Donc on est pas vraiment très très proche du genre. C'est ça. C'est on a gardé. Ça c'est aussi un truc comment trouver la bonne distance. D'accord. À la figure. Oui. D'être proche mais pas trop proche. C'est ça. Et large ou serré. Oui. Oui. Et surtout dans un documentaire, ça, il y a toujours la tentation de vivre un peu. De s'approcher beaucoup. Oui. Donc, on a essayé de trouver la distance correcte pour la situation. Oui. Mais parce que moi, j'étais toujours très proche à le personnage parce que j'étais avec eux dans mes oreilles. Oui, c'est ça. Toi, tu es proche, lui, il est pour voir, il faut qu'il s'éloigne. Voilà. Quand on entend, il faut s'approcher. Voilà. Et moi, j'étais toujours en dialogue avec les protagonistes aussi. Oui. Et lui, pas. Donc, le chef-op n'est pas jamais avec le protagoniste, c'est que moi. Oui. Et moi, je l'écoute, donc je suis avec eux. Oui. Je suis très proche avec eux. Et donc, si j'ai bien compris, l'empathie pour toi, en fait, c'est une conjugaison audiovisuelle, c'est-à-dire du son
avec l'image, c'est-à-dire c'est un dosage que tu, si j'ai bien compris. Oui, hein, oui. C'est-à-dire que tu dois ajuster la perception sonore avec la perception visuelle. C'est ça l'enjeu. Et penser à le montage à la même temps ou au film, à le grand film aussi. Comment c'est le moment qui enregistre ça marche dans le film en soi. Au même moment. Oui, au même moment. C'est-à-dire au même moment, tu es à côté de directeur photo, tu es presque ingénieur du son, ouais. Et tu es aussi déjà monteur. Oui, monteur abstrait. Ouais. Ouais. Ça, c'est le travail de réalisation, je crois. Ouais. Et d'être en dialogue avec les gens qui ont filmé. Ouais. Mmh. Donc, c'est un peu... C'est pour ça qu'on est toujours... En allemand, il y a un beau mot, überfordert. Comment? Überfordert. En allemand, oui. Ouais. Comment dire en français c'est... En allemand, quoi c'est? Là, oui. C'est dans une piscine et on est toujours dans l'écouter profond. L'écoute en bas? Oui. La plongée? L'immersion? We're always swimming in deep water. C'est immersion. Mais, c'est toujours trop, quoi. Oui. C'est toujours trop. Oui. De filmer, on est tellement dans la... Il y a trop de choses. Oui. C'est presque impossible de vraiment maîtriser, de contrôler tout. Oui. Donc, on est toujours... Il y a trop d'informations, trop de choses à régler. Oui. Et l'idée... So, we're always swimming within these different... kind of overcome and swimming with these different currents. C'est-à-dire, il faut faire avec différents éléments qui te submergent, quoi. Oui. Tu es submergé par différentes choses et il faut... On ne peut jamais vraiment maîtriser. C'est ça. On est toujours un peu débordé. Voilà, on est toujours un peu débordé. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ce débordement? Voilà, et c'est beaucoup ça, et souvent on filme le processus, par exemple, comme notre collègue là, parce oui. qu'il était là, c'est le processus oui. qui dans lequel on se trouve, oui. qui est vraiment l'expérience de faire ce film. Oui. Et dans ce processus, il y a tellement les choses qui sont hors du contrôle, oui. qui on essaie de contrôler, oui. et ça c'est un peu le magie, c'est ça, donc, le magie du documentaire. Donc on le filme le débordement. On le filme le débordement, on le vit le débordement, on essaie de mettre en scène oui. le débordement, oui. on essaie de trouver une façon de mettre le débordement dans une image. C'est ça. Est-ce que alors si on prend un exemple très 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 précis du film. Sur lequel on est revenu avant même que tu viennes, parce qu'on a eu des discussions. La scène du cambriolage. Oui, je voulais parler de ça. Voilà, ça c'est super intéressant, parce que là, oui. parce que là, par exemple, c'est la scène d'attaque, oui. l'attaque de cambriolage. Oui. C'est alors en fait, ça c'est une scène parfaite, oui. formellement parfaite. Oui. Parce que la mise en scène oui. de cette scène est parfaite. Il y a la petite fille oui, c'est ça. En rose, c'est ça. Avec les couleurs parfaites. L'attaque et comment ça se passe autour, c'est toujours dans le cadre, on comprend. Et il y a un chat, il y a plein de choses qui se passent qui sont tellement parfaites. Mmh. Mais c'est une scène qui était complètement dehors de ma contrôle. C'est ça. Puisque c'était la vidéo... Parce que c'est de la vidéo, c'est du vrai, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est pas toi qui l'as filmé. Voilà. oui. Et donc, elle dépend pas de toi, celle-là, du tout. Ouais. Oui. Et là, donc, le mot que vous avez utilisé tout à l'heure... Débordement. Débordement. là, on est... On le subit. Oui, on le subit. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mmh. Et ça donne une scène parfaite. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, non? Je sais pas. Ça, c'est pour moi, ça, c'est... Et ça c'est le vrai moment du processus Et en même temps, c'est un vrai moment de documentaire. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde, par exemple, enfin, on est très étonné de cette petite fille qui joue, mm-hmm. qui continue, elle,
à jouer alors que, enfin, il se passe quelque chose qui ne relève pas du jeu, puisque c'est une attaque. Et elle va vers l'un, vers l'autre, et sa maman, elle essaie de la... En fait, c'est moi. C'est toi. Ouais. Qu'il essaie de les mettre dans les bras. Oui, c'est ça, c'est toi qui essaie. Ouais. Et elle ça crée effectivement dans la scène quelque chose dont on voit bien qu'elle ne devrait pas être là, logiquement, je veux dire, puisque ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On ne filme pas un enfant qui joue quand on filme une attaque, ça ne marche pas. Donc l'hétérogénéité, c'est-à-dire l'incompatibilité de ces éléments, te sont imposés. Et toi, tu dis, eh ben, c'est bien. Et il y a des cinéastes qui le font. Tu sais que Godard, quand il filme des attaques, il y a des gens qui jouent, etc., il mélange ces choses-là, mais même dans une fiction. Et ça, donc, pour toi, c'est presque un modèle. Oui, et ça, c'est le moment, ça, c'est le documentaire pur, ce moment-là. Oui. Ça, c'est vraiment une scène documentaire. C'est ça. Ça, c'est le cinéma documentaire vraiment cristallisé. C'est ça. Ouais. Et tout qui arrive, tout avant, tout le processus, c'était pour aller à cette scène. C'est ça, oui. On sent bien que c'est là où tout se concentre. Ouais. C'est très beau ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles, tu essaies de trouver cette empathie, d'ajuster le son avec l'image, de te reculer, d'avancer, etc. Pour en fait arriver à ce qui se passe quand toi, tu n'es pas là. On est dedans. Oui, non, non. Pour arriver à t'approcher le plus possible de quelque chose que toi, tu n'as pas filmé. Voilà. C'est-à-dire c'est ça le modèle, en fait. Voilà, et on laisse tomber tous les contrôles. You let yourself go, on s'oublie. et tout le travail des années avant, c'est pour arriver à ce moment. Oui, oui. Parce qu'on a filmé avec le petit que ça, on a cette émotion. Parce que la scène est très émotionnelle parce qu'on a filmé la petite avant. C'est ça. Et on a passé des années pour le chinois, il nous ouvrait la porte pour avoir le droit d'être avec eux. Oui. Donc tout ça, c'est pour arriver. Mm-hmm. Et toutes les scènes avant, c'est pour comprendre pourquoi. C'est ça. Oui. Et aussi, toute la scène avec les vaches, et c'est pour comprendre pourquoi il y a cette violence aussi. Mm-hmm. Pourquoi les gens n'ont aucune... Pourquoi ils trouvent qu'il faut attaquer parce qu'ils perdent contrôle sur leur vie so everything makes sense in that scene that you've been building up before over years. Ça fait sens, oui. Alors donc ça évidemment donc on a bien compris là, enfin je crois avoir bien compris. Vous pouvez poser des questions, hein. Il y a pas de c'est ouvert. On a à peu près bien compris, parce que beaucoup de documentaristes, effectivement, souvent nous disent ça par rapport à cette recherche de à la fois de la distance qu'il faut par rapport aux personnes qu'on filme, et aussi à cette empathie dont tu parles, toi. Tu dis empathie professionnelle. Voilà, tu dis empathie. Comment professionnelle. Tu l'appelles comme ça. Professionnelle. Ouais, un peu, ouais. Oui, c'est ça. Parce que quand je fais le film avec les gangsters, j'avais empathie pour les gangsters, ils les jugent pas. Et je les juge pas. Et lui, il a compris que je les juge pas. Et donc, ça, c'est. Donc, moi, j'ai développé une empathie professionnelle pour eux. Mm-hmm. D'accord. Mais ça, c'est aussi pour un monteur, par exemple, si on travaille le montage. Mm-hmm. Le montage, c'est un travail d'empathie. Le monteur, il doit avoir l'empathie avec les images qu'il travaille, avec le réalisateur, avec tout, quoi. Parce qu'il travaille avec les choses qui viennent de l'extérieur, mais il faut être ouvert à ça. Et par exemple, pour les Chinois, cette empathie que tu dois avoir avec eux, comment tu la gères par rapport à ce qu'ils font, par rapport à l'antipathie, j'allais dire, qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces gens-là qui sont en train de causer des dommages et des dégâts.
Il y a deux façons. Juste un, très simple, c'est de passer le temps avec eux, pour être avec eux et boire avec eux et comprendre leur... Et vraiment, parce que pour vivre un peu leur vie très, très difficile. Mm-hmm. Et pour voir comment ils sont toujours... leur famille, ils tellement manquent. Ils sont tous un peu alcooliques parce qu'ils sont tellement tristes. C'est ça. Ils travaillent trop. Et ça, tu saisis leur humanité, voilà. Etc. Autre chose. Voilà. Donc, on vit leur humanité avec eux. Mm-hmm. Donc, il y a ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour cela que l'image que tu donnes des Chinois dans le film, forcément n'est pas la réalité? Enfin, elle n'est jamais vraiment la réalité des Chinois. Pour voir la séparation entre l'image, en fait, la représentation et ce que cette image représente. L'image qui représente et les gens qui sont représentés. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Parce que le temps que toi, tu passes avec les Chinois, en dehors du film, pour mieux les connaître et mieux saisir la dimension humaine de ces gens-là afin d'obtenir cette sympathie, ce temps-là que tu passes avec eux pendant lequel ils te parlent de leur famille, de leur détresse, de leurs difficultés, des effets de la séparation, etc. Nous ne l'avons pas vécu, spectateurs. Mais en fait, ils ne me parlaient pas parce que je ne parlais pas la langue. Oui, oui. Mais tout ce temps-là, nous, on ne connaît pas. Ouais. Nous, on voit des Chinois qui arrivent très brutalement, qui imposent de l'argent, je ne sais pas quoi, etc. Que des chiffres, ils comptent tout le temps, l'argent, etc. Ce que tu vois, toi, comment tu vas, justement, cette part d'empathie que tu as pu obtenir en dehors du film, comment tu vas pouvoir nous la transmettre, nous, pour que quand on les voit, on se dise, effectivement, ce n'est pas bien ce qu'ils font, mais c'est quand même, ce sont des êtres humains. Je ne sais pas s'ils sont dans les scènes du film, non? Oui. Moi, par exemple, la scène où on voit que... Moi, quand les Chinois sont attaqués à la fin, la scène avec on voit le visage du femme après l'attaque. Et pour moi, comment c'est filmé, comment c'est montré, moi, comme spectateur, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. Je trouve tellement beau et tellement triste son visage dans ces moments-là. Et je suis vraiment avec elle. Et je parce que... La patronne, quoi, celle qui... La femme à la fin, après. Oui, oui. Et tout ça, c'est pour arriver à ce moment-là, on a les autres scènes. Je ne sais pas si dans le... Oui, pardon. Oui, voilà, justement, j'allais dire, est-ce que le public ressent cette empathie ou pas? Oui, est-ce que ça, En fait, hier, en regardant le film, j'ai pensé à District 9, parce qu'en fait, le film sud-africain sur l'arrivée d'extraterrestres, et comment les communautés en place, qu'elles soient blanches ou noires, comment on vit l'arrivée d'extraterrestres par rapport à tout ça? Comment on se place? Est-ce que c'est bien, pas bien? Comment on va gérer la situation? Comment on va faire tout ça? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui t'ont déjà redonné Est-ce que vous avez eu un peu d'empathie pour les Chinois? Pour la famille chinoise? Non, mais le fait de comprendre comment ils vont arriver à s'intégrer. Hier, après le film, je crois, tu disais qu'il y a déjà des Chinois qui commencent à se marier avec des habitants. Donc il y a une assimilation qui va se faire comme il y a pu avoir une assimilation qui s'est faite avant avec les Sud-Africains. Et voilà, moi ça m'a posé toutes ces questions-là et je pense que je vais re-regarder District 9 pour voir s'il y a des petits parallèles. Parce que, ça, on m'adresse. Oui, madame. Oui, oui. Oui, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le côté de l'humanité dans votre film. Parce qu'on a beaucoup de préjugés. Nous, nous ne sommes pas des cinéastes, nous sommes des spectateurs et on ne connaît pas tous les processus que vous nous exposez, qui sont extrêmement importants pour comprendre de l'intérieur la façon dont vous avez envoyé un message.
Et je trouve que le film, pour moi, était d'une très grande humanité. Et on se repose la question, effectivement, de deux populations qui sont apparemment et réellement en conflit, mais quelque part, ce sont à chaque fois une communauté chinoise, une communauté africaine, et on a l'intérieur de chaque communauté. Et c'était, moi, le point important que j'ai retenu de votre film. Mmh. Merci. Mmh. Il y a une petite histoire, là. Mmh. On était un peu amis avec une femme qui a travaillé dans le magasin chinois. Mmh. Et un jour, elle était là, elle a dit, elle quitte son travail. Elle avait marre de travailler chez les Chinois, elle est mal payée, et elle travaille trop, c'est affreux. Et moi, j'étais tout de suite, ah merde, c'est vrai, tu as raison, bien fait, parce que tu t'es fait exploiter. C'est les Chinois, ils sont venus, ils font que l'argent, ils respectent pas les gens, tu vois, des choses comme ça. Et après, j'ai dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire là? Elle a dit, écoute, et j'ai dit à elle, là, mais c'est bien parce que tu as pris l'expérience là, donc il y a des autres magasins ici, peut-être tu peux travailler là-bas. Elle a dit oui, il y a un magasin qui est Timbalabasutu, un gros magasin là, qui est Timbalabasutu, je pourrais peut-être travailler là. Et moi j'ai dit, ah oui, c'est une bonne idée, là tu vas être avec tes gens, tu peux parler avec la... Tu vas évoquer, c'est beaucoup mieux, non? Elle a dit, écoute, si je travaille chez le Basutu, ils vont être plus gentils avec moi, mais je ne vais jamais être payé. Oui, donc, avec chez les Chinois, elle est maltraitée, mais elle est payée, pas beaucoup, mais elle est payée. Ah, c'est bien payé. Et chez le Basutu, elle a peur de jamais être payée. Oui, et donc, j'étais là, mais c'est ça le capitalisme, quoi. Ouais, tu vois? Alors justement, parce que on en arrive à la question que je voulais te poser, c'est que en pensant au cinéma africain, aussi à l'histoire, en pensant à Sambène, les questions que posait Sambène Ousmane dès le départ, quand il faisait des films, parce qu'il interrogeait sa société propre, le Sénégal en l'occurrence, mais aussi, et la façon dont il est géré, le rapport avec le monde occidental, la colonisation. Et il cherchait toujours à dégager, parce que pour lui c'est l'école du soir, le cinéma, donc pour éduquer les gens, à dégager des récits ou grâce aux récits qu'il racontait, des éléments d'analyse pour comprendre et voir dénoncer, donc transformer. Il était communiste. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que de toute façon, il y a aussi des systèmes. Il y a quelque chose qu'on appelle le capitalisme, qu'on soit marxiste, marxisant, pas du tout marxiste, enfin il y a un système. Et en face, il y a un autre système qui est fondé plus sur les trocs, sur les valeurs, sur la communauté, etc., par rapport à la vache par exemple, on peut dire que l'enjeu dramatique du film, c'est la vache qui passe de statut de bien à statut de marchandise. Voilà. C'est ça le film, oui. C'est ça la dramaturgie. Voilà. Comment alors à ce moment-là, toi qui es attentif à l'empathie, à la complexité, à restituer l'humanité, y compris des gangsters, y compris des méchants, comment tu fais pour ne pas risquer de camoufler ou de ne pas dégager le caractère terrible de ce système, quoi, et donc de l'analyser? Qu'est-ce que tu fais avec l'idéologie? Peut-être que je laisse à côté de l'idéologie et je vais chez les gens. C'est ça. Juste vers l'humanité très très simple du gens. Vers l'humanité très très simple. Simple. Sombre. Simple. 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 L'humanité simple des gens, c'est ouais, ça. Simple. Et tu laisses de côté l'idéologie. Ouais. Ça veut dire que tu comptes. Oui, pardon. Oui, madame, allez-y. Merci. Oui, effectivement, on sent beaucoup dans votre film que le côté de l'idéologie en elle-même a été évincé et que bon, c'est sous-tendu, on sait que ça existe, mais moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on voit concrètement comment l'intrusion se fait et comment, de façon très presque banale, les choses se mettent en place. Et c'est intéressant parce que souvent on nous bassine de théories,
On a des grands articles très, très instructifs, etc. Mais là, on est dans le concret. Mm-hmm. Et je pense que c'est extrêmement important pour nous mm-hmm. de voir des documentaires comme celui-ci, parce qu'on voit l'intrusion. On voit exactement à partir du terrain. Et le film est une montée en puissance de la violence et qui s'inscrit pas à pas dans votre film. Et avec des choses très, très locales, avec les moyens locaux, avec le problème de la vache, qui est extrêmement important dans votre film. Et en fait, on a ce crescendo qui vous démontre la façon dont ça se passe. Mmh. Ah, c'est très beau ça. Mmh. Très beau. Mmh. Parce que là, le mot que vous dites, c'est la banale. Parce que, en fait, on a filmé beaucoup les scènes très très banales. Mmh. De filmer dans les épiceries comme ça, c'est super banal. Il n'y a rien qui se passe. Ouais. Et notre travail, c'était comment trouver dans la banalité tout ça. Mmh. Et donc, c'est des petits moments, les petits regards. Mmh. Et par exemple, la scène où ils coupent le viande. Oui, c'est une scène extrêmement banale, oui. Mais dans le film, il est venu, c'est la chute de Dieu, quoi. Oui. Ouais. Oui, oui. Et ça c'est et si ça marche, mm-hmm. On a réussi un peu. La chute de Dieu. Oui, c'est la chute de Dieu. Mm. La scène extrêmement banale, comment il coupe le viande à la boulangerie, mm-hmm. c'est venu la chute de Dieu. Mm-hmm. Parce que les vaches sont les dieux, c'est avec ça. Les mouillés. Oui, les ils disent que ce sont des déesses au nez mouillé. Oui, et oui. Pour comprendre ça, et voilà, et la violence qui monte, mais très très fin. Oui, oui. Est-ce que tu veux dire la chose suivante qu'on entend nous parfois, les journalistes, vous savez, nous répétons parfois des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Est-ce que cela signifie que le sens du monde, de la réalité, là, en l'occurrence, ce monde-là, cette situation-là, le cinéma fait que ce sens-là, il ne passe pas par des idées abstraites ou des concepts, ou par des discours, mais par les choses elles-mêmes. C'est-à-dire que le monde, il porte son sens en lui-même, quoi. Je veux dire, tu montres des gens qui coupent de la viande, pour le commun des mortels. Enfin, on peut penser que, c'est, comme tu dis, c'est banal. C'est quoi, cinématographiquement, c'est pas photogénique, quoi. Or, toi, tu dis, c'est la chute des dieux. Couper la viande, tu vois, c'était la chute des dieux. Et ça, c'est parce que tu dois croire tout le temps. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu dois croire tout le temps que ce qui est devant toi, que tu filmes, ce qui est sensible, toutes ces petites choses, ce sont des choses qui portent en elles un sens très profond? Je cherche à comprendre pourquoi c'est profond. Parce que le premier jour de tournage, ça reste banal, mais à la fin, je comprends pourquoi ça peut être profond. À la fin, ça veut dire après le montage, tu veux non, dire? Non, pendant le tournage. Oui, pendant le tournage. Ouais. C'est pendant le tournage que se révèle le sens de... Oui, exactement. Oui. Et c'est ça qui fait le travail difficile, parce que dans une fiction, tout est écrit avant. Oui. Et dans un documentaire, on se plonge dans la réalité et on... Tu écris en même temps? Tu écris en même temps, oui. Et en écrivant en même temps, tu découvres. Oui, et donc l'écriture du documentaire, c'est plutôt une écriture avec l'image et les sons et les recherches à ce moment-là. Mm-hmm. Oui. Et je fais un peu le montage aussi entre les visites. Donc je savais un peu... Entre? Les visites, parce que je crois qu'on avait 4 tournages. C'est ça. 4 fois, tu t'es quatre dépassé. Fois, on est là. Oui. Et vers la fin, j'étais plus sûr qu'est-ce que je cherche. Ah, parce que tu montes aussi à chaque fois, entre... Pas chaque fois, mais je crois après le deuxième, on a commencé le montage. Et avant la quatrième, le film était presque fini, donc c'était très pointu qu'est-ce qu'on a cherché. Mm-hmm. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça marche. Oui. Ne touchez pas. Oui, Claude. Oui, vas-y. Oui, de dire comment s'intègrent dans votre film les parties que vous avez dit hier que vous avez ajouté un certain nombre de scènes, notamment celle du jugement là. Comment ça s'intègre par rapport à ce que vous venez de dire, parce que là vous étiez bien obligé quand même de
réfléchir à ce que vous alliez mettre dans cette scène de vous-même en tant que réalisateur, alors que ce que vous faites habituellement, c'est prendre la réalité telle qu'elle est. Or là, ce n'est pas le cas. Comment ça s'intègre avec votre film à ce moment-là? Oui, là, c'est très simple. J'ai vécu cette scène, mais je ne pouvais pas le filmer. Oui, ah, vous l'avez vécu. Mais alors, vous l'avez reproduite. Voilà. Oui. Je savais que j'ai vécu cette scène, j'ai compris la significance de cette scène pour mon film, et j'ai trouvé une solution pour l'avoir dans mon film. Oui. Et parce que, oui, donc, je n'avais pas le droit de filmer un vrai processus. Donc, j'ai trouvé une façon de le filmer que ça reste assez réel, où les gens sont vraiment eux-mêmes, mais je pouvais le filmer. Mais les gens qui ont refait cette scène, comment l'ont-ils vécu, eux? Est-ce qu'ils avaient vraiment l'impression de reproduire ce qu'ils avaient vécu ou de... Oui, c'était marrant. C'est quand même un peu bizarre, quoi, par rapport à un documentaire. Oui, donc la scène, dans le film, c'est 8 minutes, je crois, 8, entre 8 et 10 minutes. Mais en fait, ils ont commencé le matin, ils ont fini le soir. Donc, ils ont vraiment révi toutes les... Donc, ce n'était pas les petites bribes... Oui, donc ils ont récréé toute la journée. Donc ils ont joué toute la journée. Donc ils ont réjoué le process du début à la fin. Donc ça a pris 10 heures ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas écrit ou quelque chose comme ça. Ils ont revécu ça. Revécu. Voilà. Ils ont revécu tout ça. Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Et c'est ça qui les fait bon, je crois. Parce que si c'était joué, on la sentirait tout de suite. Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, enfin, pendant les dernières minutes, j'aimerais aussi, mais la discussion est toujours très intéressante avec toi, parce qu'effectivement, on se rend compte que derrière ce que nous avons perçu d'intense, etc., en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière et on est curieux de savoir de ce qui se passe. Comme il y a deux courts-métrages aussi avec, ouais. Je sais pas, c'est et de l'orphelinat. Juste une question, parce que ce phénomène-là, puisque c'est lié, c'est des films qui sont liés. En fait, c'est des films qui, on a l'impression qu'ils sont tirés, que c'est comme si c'était une partie. À chaque fois. Oui, c'est plutôt. C'est comme un zoom. Voilà. Mais ça, c'est pas la seule fois que tu fais ça, puisque même dans tes films antérieurs, tu fais quelque chose, ensuite tu reviens autrement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire? Parce que c'est intéressant ça. Tu fais un film, et puis ensuite, voilà, tu as autre chose, et on a l'impression, parfois, je dis pourquoi il répète, pourquoi il revient là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie ça? Par rapport à ta filmographie, par rapport à ton parcours, je veux dire. Souvent, c'est juste très pratique. Oui. Parce qu'on a l'argent pour faire un film. Oui. On est là sur place. Oui. Et on continue avec notre idée. Oui. Par exemple, j'ai fait le gangster film, Gangster Project. Oui. Et après, j'ai fait un deuxième film avec les gangsters qui s'appelle Gangster Backstage. Oui, c'est ça. Mais là, par exemple, on a eu l'argent pour le premier film. Le film était fait, l'argent n'était pas dépensé, donc on a dû faire un deuxième film avec les gangsters. Bon, ça c'est le côté financier, mais... Oui, mais c'est... Et le film Coming of Age, oui. En fait, c'était... c'était un peu... On a commencé ça, c'était le petit recherche... Donc, c'était le petit recherche pour des cannibalismes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Et... parce que ça... Si moi, j'ai ça, parce que ça prend tellement longtemps pour faire un film, il faut souvent trouver un deuxième projet, c'est ça. Ou même un troisième projet pour avoir à la même temps, ou de balancer un peu les deux. Parce que si on ne fait qu'un film après l'autre, c'est 7 ans pour chaque projet. Oui.
Et donc, tu penses à plusieurs choses à la fois. Des temporalités différentes dans la tête. C'est comme dans le film, le tournage. Ouais. Tu as le son, tu as le montage. Voilà, tu as... c'est ça. Donc, tu as ce film-là, puis tu te dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai de l'argent pour faire mon prochain film. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Oui, là, je suis en train de faire un truc comme pareil. J'ai une commande pour un musée, pour faire quelque chose. Ouais. Mais je ferai dans le même endroit où je vais faire un film documentaire. Donc... Oui, c'est le côté plastique, ça. C'est le côté plastique de l'artiste visuel, peut-être, non? Peut-être, peut-être. Oui, parce que quand on voit ta filmographie, c'est vrai qu'on voit la même chose et autre chose. Oui, et moi, et il y a les liens entre les projets qui sont assez intéressants, et aussi une évolution du forme, et je reviens sur les mêmes idées. C'est ça. Et juste pour dire, avec L'Orphanilla et Shepherds, oui. Alors on a fait une installation avec L'Orphanilla, Shepherds, le chanson un peu raciste, qui joue, les Chinois sont méchants. Oui, c'est ça. Ouais, et le... et une scène de radio. Donc on avait quatre court-métrages dans une galerie. Mm-hmm. Et c'est, en fait, c'est le même film comme Days of Cannibalism, mais Days of Cannibalism, elle a une forme plutôt cinématographique. Et avec Shepherds of Ninja et deux autres scènes, on dit la même chose, mais dans un espace différent. Mais c'est ce qui explique aussi cette composition, ce montage du film en scène, quoi, ouais, différente. Quoi. Exactement. Il peut se transformer et devenir d'autres petits objets, exactement, artistiques. Ouais. Et parce que Shepherds, si on voit David Campbell, il y a un tout petit moment où on voit les prisons. Et donc, Shepherd, c'est un peu, si on zoome... Une plongée, une immersion là-dedans. Voilà. C'est comme un zoom. Et donc, c'est pour ça que nous disons toujours, nous, et c'est pour ça que nous ramenons toujours les cinéastes à nos spectateurs qui sont de plus en plus fidèles maintenant et qui savent, d'envisager les films des cinéastes, un film d'un cinéaste dans sa trajectoire, dans peut-être, ce qu'il ouais. a fait avant, dans ce qu'il compte faire, etc. En tout cas, merci beaucoup. Merci. La discussion peut continuer, bien évidemment. Elle va continuer sans doute en aparté. Et nous aurons sans doute aussi d'autres occasions de nous retrouver pour ouais. mieux comprendre ce très, très beau travail. Parce que le forum de Shepherds, parce que Shepherds, c'est les interviews avec les prisonniers. Avec les prisonniers, ce sont les interviews, les bribes des interviews, c'est avec les scènes mises en scène entre les deux. Mmh. Et c'est la même forme que Gangsta... Backstage, un film que j'avais avec les gangsters dans une autre prison en Afrique oui. du Sud oui. quelques années avant. C'est ça. Donc, oui. c'est là que j'ai fait aussi les liens dans mon travail. C'est ça. Excuse-moi, mais oui, je bien. Pense super. À ça. Oui, oui. C'est super. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Voilà, merci. Merci à vous tous et à la prochaine. Merci.